C'est le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Mass Effect 2 sur PC. La dernière fois, nous étions. Pardon. Nous étions arrêtés après avoir parlé à Maureen Solus dans la clinique dans la zone de quarantaine. On va tout de suite continuer en faisant la mission pour pouvoir propager le remède au virus. Ils vous ont repéré, Shepard. J'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce que oui. C'est parti. Voilà. Alors. Au moins. Il en reste plus qu'un. Voilà. On prend les munitions. Oups, loupé. Voilà. C'est tout de suite un peu plus calme, hein. Ils sont tous morts. On va essayer de finir la quête de recrutement pour Maureen Solus, je crois. Dans cette vidéo, comme ça on pourra s'y atteler sur mon recrutement de Archangel là. C'est pas facile de voir les missions dans comme ça. Hein. On monte. Ça va, c'est des du temps moins de perdu. Oh flûte, j'ai utilisé une munition pour rien. Flûte, flûte, flûte. C'est le remède. Je vous en ferai peut-être te couper. Attention! Stop! Un pas de plus et votre ami y passe. Je sais que vous avez peur. Peur des vents. S'il propageait le virus, qu'est-ce qu'il fait? Elle a raison, c'est pas logique. Si on libère le prisonnier, vous nous laissez passer. Je vous en donne ma parole. Relâche-le. Vous avez eu ce que vous vouliez, humaine. On peut partir maintenant? Nous avions un marché. La noblesse chez les humains. Merci. Oh, c'est Mordine qui vous envoie me chercher? Le professeur a besoin de ton aide à la clinique. Oui, d'accord. Je pars tout de suite. Merci.
Ok, donc j'ai réussi à trouver son petit compagnon, enfin son petit assistant. Ah, des munitions, voilà qui est bien. Il reste 4 munitions. Encore une munition plutôt. Impressionnant. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah, c'est une autre sortie normale, d'accord. D'accord. Huh. J'ai pas l'impression d'être venu par là, moi. Ah si, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Ah, des munitions. Ah, j'en vois plein là, des munitions. Pas pour cette arme, non, merci. Allez, monte, voilà. On a pu refaire un peu son stock. Il n'en a pas l'air d'avoir d'autres, d'en avoir d'autres, pardon. Ah si, ceux-là. Alors c'est dans quel côté? C'est peut-être à droite, ouais. On va essayer de voir à gauche avant tout. Enfin, plutôt... Ouais, non. Je me suis compris. On approche des contrôles atmosphériques. Il faut balancer le remède dans les ventilateurs et les rallumer. Yep. Pas venir ici. Stop machine. Cassez. Tout le monde doit mourir. Alors, récolteurs. Que veulent les récolteurs? Récolteurs, vouloir un virus. Vous travaillez pour docteur. Attention. Oui.
Donc c'est bien les récolteurs. Travaille pour les récolteurs, les Vatcha. J'ai balayé la pièce. Le sismo, contrôle central, se trouve dans une alcôve au milieu du mur du fond. Vous pouvez injecter le remède et réinitialiser les systèmes à partir de là. D'accord, merci Idea. Ah d'accord, l'alimentation électrique. Le remède est dans le système. Une fois que les ventilos seront activés, l'affaire sera réglée. Oh, j'ai loupé. J'ai localisé les commandes des ventilateurs. Il y en a deux. Une pièce dans laquelle vous vous trouvez. On y va. Des munitions. On a fait la moitié du travail. Continuons. Encore un ventilo. Bonne nuit. Ils ont grillé mes boucliers. Beaucoup de vie, moi. Pas cette arme là, celle-là. Impressionnant. Oh putain, je me suis fait toucher. Le dernier. Les deux ventilateurs sont en marche. Je crois qu'on est bon. Ah, d'accord, ça nous a téléporté directement. Système atmosphérique activé. Niveau viro-aérobie en baisse. L'état des patients s'améliore. Les Vortcha battent en retraite. Beau travail, je sais pas. Et moi aussi, je vous remercie. L'espace d'une seconde, quand ils m'ont libéré, j'ai cru que vous alliez quand même les abattre. J'avais promis de les épargner s'ils te relâchaient. Dangereuse attitude, la pitié est un risque. Je les aurais tués. Professeur, comment pouvez-vous dire ça ? Vous parfois, êtes aider signifie guérir. Parfois, exécuter les gens dangereux. Il y a de noms,
Va examiner les patients. Il y a beaucoup de travail. Pense. C'est un gentil garçon, un peu naïf. Il s'y fera. Je vais lui confier la clinique. Sans les Vortia, il devrait se débrouiller. On s'est occupé du virus. Oui, collaboration avec certains. Il faut que je termine mon travail à la clinique. Ce ne sera pas long. On se retrouve sur le Normandie. D'accord. Bienvenue à bord du Normandie, professeur. C'est un grand honneur de vous rencontrer. Je suis impatient de commencer. Cerberus travaille avec des races non humaines. C'est inattendu. L'homme trouble diversifie ses activités. Vous êtes bien informé, professeur. Le gouvernement galarien possède son propre réseau d'informations. Beaucoup de choses circulent. Je connais uniquement le nom, pas l'homme qui se cache derrière. Réputation xénophobe. Problématique. Vous vous trompez, professeur. Les humains sont toujours l'unique préoccupation de l'homme trouble. Mais pour cette mission, nous avons besoin d'aide. Les récolteurs ont enlevé des colons humains vivants. A besoin de moi pour de simples enlèvements. Eh bien, à vrai dire, ce sont tout semble parfaitement normal. Si du gaz, peut-être ? Non, trop lent. Inutile de jouer aux devinettes, professeur. Nous avons ici plusieurs échantillons prélevés sur les colonies concernées. J'aimerais que vous les analysiez. Oui, bien sûr. Analysez les échantillons. J'ai besoin d'un laboratoire. Le Normandie est équipé d'un laboratoire très perfectionné, professeur Solus. Et s'il vous manque quoi que ce soit, nous y pourvoirons. Qui parle ? Le pilote. Non. La voix est synthétique, des inflexions émotionnelles simulées peut-être. Non, c'est une intelligence artificielle. Oui, le nom. Un membre d'équipage non humain. Étonnant. Certains les récolteurs ont capturé des dizaines de milliers de colons. Oui, bien sûr. Réduire les. Suivez-moi, professeur. Ok. Alors, ça c'est l'armerie, ça c'est le labo technique. On a pas de nouvelles armes. Allons voir dans le labo. Alors, ah, il me faut un fusil d'assaut que je n'ai toujours pas. Il y a une vue sur le noyau aussi, nice. Shepard, que puis-je faire pour vous ? Vous avez un peu de temps ? Bien entendu, maintenant comme impressionné, je n'avais pas eu d'aussi bonnes conditions de travail depuis le GSI. Votre assistant se fait. Sans problème. Je lui ai laissé les bécas de sécurité au cas où. On n'est jamais trop prudent. Et puis, il faisait trop de bruit. On ne les utilisait jamais au GSI. Vous avez dit appartenir au GSI. Je n'ai pas fait que de la recherche. Plusieurs missions de reconnaissance. J'analysais le génophage. Je prélevais de l'eau et des échantillons de tissu des colonies Krogan. J'ai coopéré avec un capitaine du GSI nommé... J'ai appris ça, oui. Un explosif bricolé à la dernière minute. Il a toujours su réussir la mission. Un peu pédant quand même. Il adorait s'écouter parler. De la ténacité. Personnellement, des formations militaires, j'imagine. Le jargon, les grandes accolades, sans vouloir vous offenser. Pourquoi le GSI analysait le génophage ? La rébellion Krogan a été sanglante et dangereuse. Presque autant que les attaques d'Erachni. Toutes les espèces évoluent, s'adaptent, mutent. Si le génophage... Qu'est-ce que le GSI... Scénario d'inter... Le GSI a contribué à endiguer la rébellion Krogan. Il fallait... Qu'est-ce qu'il y a à savoir ? En réalité, le génophage a juste le taux de fer. Merci pour cette conversation. Je ne bouge pas d'ici. D'accord. Ah oui, ce lance-missile, je vais le prendre.
m'a l'air assez intéressant et c'est aussi pour un achievement. Voilà. Ok. Alors. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Ouais, donc c'est la personne que nous avons bousculé. Ah. Ok. D'accord, d'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller quand même sur Omega. Pour faire la deuxième partie avec Archangel. On va toujours garder Miranda et notre cher Jacob en attendant. Ah. Alors. Au chômage tech. C'est rien que des parasites. Je m'en vais. C'était du bon boulot. Ok. On va s'occuper de cela. J'effectue la mission. J'espère que vous savez ce que vous faites. Archangel flingue du freelance à la chaîne. C'est quand vous voulez. Allez, on y va. Alors, nice. Vous avez dit quand on tire au feu ? Dites-nous où aller. Archangel se planque dans un bâtiment en bas du monde. Il est en hauteur. Et il se fatigue, il fait des conneries. On finira par l'avoir, ça peut pas couper. Je vais me le faire. Vous êtes motivé. Vous allez faire partie de l'équipe de diversion. Ça m'a tout l'air d'être une mission. Remontez le boulevard et allez à la troisième barricade. Parlez au chien. Elle est où maintenant l'équipe d'infiltration? De l'autre côté du pont, pas loin de sa planque. Comment ils ont fait pour s'approcher? Une diversion, toujours. Le temps. Il faut qu'on force Archangel à se focaliser sur le pont pour l'empêcher. Si j'arrive à faire redécoller l'air, on est. C'était même pas un combat armé égal. Mais vous étonnez pas sur Chine. Je vais aller voir le sergent. Voilà, il est sur le boulevard. Entrez, ça devrait aller. C'est pour sortir qu'on va se. Commençons par le trouver. Ok. Donc j'ai un peu skippé les dialogues comme indiqué, comme je l'ai dit, mais bon. C'est pas grave. Alors. Shepard, j'ai balayé la zone, mais je ne suis pas en mesure de trouver un autre itinéraire menant à Archangel. Alors il va falloir jouer les mercenaires. Les mécas d'assaut et l'aéronef sont dotés d'une puissance considérable. Je vous recommande de les affaiblir avant de partir. Parallèlement à la première vague, avez-vous besoin de moi? Vous êtes le leader d'Eclipse. Vous avez trouvé ça toute seule. Je m'appelle Jarrod, chef d'Eclipse sur Omega. Qu'est-ce que vous alors, voulez? Alors la clé de voûte de la... Qui sait? Vous aurez peut-être de la chance. Qu'est-ce qu'Eclipse fait? Puisque sur... Puisque vous tenez tant... Vous avez l'air très en... Entre les gants... Pourquoi est-ce qu'Arcanjo... Il va regretter d'avoir débarqué sur Omega. L'un des deux était mon frère. Mais
Puis-je faire autre chose? On en apprendra peut-être plus sur son... Bon, qui sait, vous aurez... Alors, peut-être... vous allez vous planquer précisément, là. Votre survie ne regarde... J'y vais. Bonne idée. Ok... Jarotte, chef d'Eclipse. Ça devrait les ralentir. Parfait. Il entrera en mode interception dès qu'ils l'activeront. Et qui me veut, lui? Au mauvais endroit, Freelance. C'est vous, le chef des berserkers? Je m'appelle. Tu poses tes questions et casse-toi. On est censé attendre qu'Eclipse envoie... Les berserkers sont partout. C'est moi qui vais le descendre. Et il a du cran, faut lui reconnaître. J'ai failli l'avoir. Il faut que j'y aille. Il était temps. D'accord... Intéressant. Très intéressant même. Alors. Attention. Qu'est-ce qu'il y a, Freelance? Épargne-moi tes excuses. Dis à quelqu'un de réparer cet aéronef. Virez-moi ce filon. Mais qu'est-ce qui m'a foutu cette merde? Oula, Genta, vire-moi. Suivez-moi, on va bientôt lancer la prochaine vague. Vous ne devriez pas vous préparer. Pourquoi il est en rogne comme il ça? Il n'aime pas trop les freelances. À plus forte raison les étrangers. Qu'est-ce que vous voulez savoir? J'ai proposé une attaque conjointe. Archangel a beau être fort. On joue aussi. Qu'est-ce qu'Archangel a fait? Tarakan a assez. Je suis impatiente qu'il crève. Si on a demandé l'aide des on autres... On ferait mieux d'y aller. Bonne idée. Allez donc voir 4K. C'est pas possible. Il a vraiment pensé à toutes les issues. Allez voir 4K. 4K, c'est qui? Merde. Les gros gangs de guerre m'ont intérêt à attendre mon signal. Ouais. Je cherche le sergent 4K. Il est là-bas en train de... On passera le pont quand il en donnera l'ordre. Allez lui parler si vous voulez, mais y'a... Je reviens tout de suite. Bonne chance. 4K? Solki? Vous faites tâche par rapport aux... L'équipe d'inf... Vous avez des questions? Parce que... En somme, on doit... L'important, c'est qu'Arcante... Et encore... Vous planifiez l'attaque? Je reste ici pour organiser les... Ou sinon, ils ont des explosifs. Faites ce qu'on vous demande. C'est vous, les frites. Archangel. Et comme ça, au moins, j'arrête de... Il faut que j'arrive à le faire redécoller avant que Tarak en donne l'ordre. Où est-ce que j'ai mis cet Omnitech? Archangel m'a plutôt l'air mal barré. Il ne s'agirait pas de le faire attendre trop longtemps. Petite surprise. Les ennemis arrivent! Elle est avec Archangel. Voilà. Touché! On prend son temps pour tout fouiller.
Ça pourrait servir. Nice. D'accord. Montons. Ennemi repéré. Précis. On y va. Shepard. Garrus. Un peu de tir sur cible, histoire de ne pas perdre la main. Tout va bien ? J'ai connu mieux, mais ça fait du bien de voir un visage amical. C'est fatigant de tuer des mercenaires, surtout seuls. Qu'est-ce que vous faites sur... J'ai eu ma dose de paperasserie à la citadelle. Au moins, je n'ai pas de mal à trouver des criminels ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est viser. Comment vous avez fait pour vous mettre à... Ça n'a pas été facile. Je suis stupéfait qu'ils se soient alliés pour me combattre. Qu'est-ce qui vous a pris de vous surnommer ? Ça ne me dérange pas. Mais de grâce, appelez-moi Garrus. Vous m'en avez logé une ou deux là où ça fait mal, au fait. De simples balles percussives, sans effet nocif. Je ne voulais pas. Mm-hmm. Si j'avais voulu faire plus qu'abaisser vos bouts. Et puis, vous avouerez que vous vous la couliez douce. J'ai voulu activer un peu la cadence. C'est clair. Le pont m'a sauvé la vie. C'était... Mais ça marche. Dans... Si on tente une sortie par là, ils vont... Alors quoi ? On reste là en attendant... Ça pourrait être pire. Jusqu'ici, j'ai réussi à les empêcher d'entrer. Je suis d'avis qu'on tienne cette position, qu'on attende une brèche dans leur défense. C'est loin d'être parfait comme plan, mais c'est toujours ça. J'ai laissé mes sentiments prendre le pas. Je vous propose un marché. Faites-moi sortir d'ici, et je vous raconte tout depuis le début. J'aimais pas trop jouer au sous-marin, de toute façon. Vous n'avez pas changé, je sais pas. Voyons ce qu'il nous réserve. Visez-moi ça. Des éclaireurs. Ça m'a l'air d'être bien plus que des éclaireurs. Effectivement. Pas de temps à perdre. Je vais rester ici. En hauteur, comme ça, je peux faire pas mal de dégâts. Et vous, faites ce que vous savez faire le mieux. Comme au bon vieux temps, Shepard. On va leur montrer ce qu'on faut, c'est sûr. On va tenir la position. Ça fera une plus longue vidéo, mais ce n'est pas grave. Comment ça pouvoir munitions? Ah oui, munitions anti-grav, oui. Ah, désolé pour le petit mute. Ah, désolé, la maladie. J'adore ce plan. Oh.
Ma flûte. Non, en plein entre les deux. Alors, il est là. Les mercenaires d'Eclipse ont investi la base. Ah, nice. Si on veut que quelque chose soit... Voyons ce que tu vas faire face à ça, Angel. Système en ligne. Ils envoient les mécas d'assaut. Je crois que de ce côté-là, on est couvert. Ouais. De ce côté-là, on est bon, ouais. Alors, on va essayer de voir les dégâts que ça fait. Alors, on va le laisser comme ça pour nous. Et on va s'occuper des autres. Hein. Le mecha nous a bien aidé en tout cas. Deux munitions. Ah, c'est Jarrod ça, d'accord. J'ai pas la visée par contre. Tuez-les tous. Cette voix, mon dieu. Adieu Jarrod. Ils ont cessé l'attaque. Rejoignez-moi avant qu'ils se regroupent. Pas mal, Shepard. Ils m'ont à peine touché. Et surtout, ça fait des mois que je le traquais, ce petit salopard. Pourquoi vous le traquez ? Il y a quelques semaines, j'ai détourné une grosse cargue. Ça ne m'étonne pas qu'il ait décidé de travailler avec les autres mercenaires. Il nous reste les mercenaires. C'était quoi ça? Merde. Enfin, il fallait s'y attendre. Vous feriez bien de descendre, Shepard. Je
je m'occupe de sécuriser le pont. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour vous voir crever. Vous êtes sûr? Qui sait ça? Miranda, restez avec Garrus. Merci, Shepard. Il est temps que vous partiez. Comment j'accède au sous-sol? Descendez la nuit. Si vous avez besoin d'aide, bon courage. Ok. La singularité est stylée, je la garde. Allez à la console et fermez ce contrevent avant qu'il s'échappe. Début de la fermeture. Je sais pas pourquoi je m'embête. Moi j'en ai qu'une seule. Ah. Attendez une seconde. Allons l'autre. Donc ça fera une petite longue, une vidéo un peu plus longue que les deux précédentes ou la précédente. Ah merde, tu mords. Je sais pas comment j'ai fait pour mourir. Non, non, mais... non, je vais pas encore mourir là. La
voilà, là c'est bon. Ouh, c'était chaud. D'accord, on a des munitions. J'arrive, mon cher. Et voilà. Pardon. Ils ont cessé le feu. Avancez. Merci, Shepard. Le temps qu'on a eu, gars. C'était un beau petit fumier, celui-là. Oui, une fois, seul à seul. Mais même là, je n'ai pas pu l'avoir. Je n'ai jamais... À chaque fois que je le touchais, il se relevait. Jusqu'à l'arrivée. Mais. Pas cette fois. Il ne reste plus que les soleils. Ça me va aussi. C'est le groupe de Tarak le plus dangereux, mais on a déjà vu pire. Et puis, il ne s'attendra pas à une attaque frontale. Attention ! Merde ! Je croyais l'avoir déjà détruit, celui-là. Il débarque des troupes. Attention, Shepard ! Genta. Je m'occupe d'elle. En priorité. Descends le mur latéral en rappel. Rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, on y va. Non, loupé. Oh putain, je loupe, hein. Bon voyage. Ne faiblissez pas. Ah, mais je visse quand même un pied, hein, décidément. Les munitions, s'il vous plaît. Ouais. Parfait. Alors, non, pas celle-là, c'est... Ouais, ça marchera quand même. Non, ça marche pas. Comment faire ? C'est parti.
Allez. Coup au but. Allez, die. Garus, es-tu vivant? Ok. Commandant, nous avons fait tout notre possible pour Garus, mais il a rudement encaissé. Les Toubibs ont fait des correctifs chirurgicaux et 2-3 améliorations cybernétiques. Shepard. Beau petit fumier celui-là. Je pensais pas qu'il serait activé. Personne n'a voulu me donner un miroir. Tout ce que Miranda m'a dit, c'est que j'avais du tissu cicatriciel. C'est moche. Vous en faites pas, Garus. Vous avez toujours été moche. Ne me faites pas rire. Certaines femmes trouvent les balafres attirantes. Dommage que ce soit surtout des Krogan. C'est pour ça que je suis heureuse de vous retrouver, Garus. Comme disait un collègue, les ennuis, c'est comme la ch'touille. Quand on en a... Je suis prêt à partir en mission dès que vous voulez, Shepard. Je vais voir ce que je... Ok. Ok, ok, ok. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout, vous abonner à la chaîne. C'était TheStyle pour HTML HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Vive les jeux vidéo!